Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc aujourd'hui, ouverture du Destiné de Paldea, vous en avez l'habitude. On continue à avancer la série, difficile de faire mieux que la dernière vidéo. Bon, pour ceux qui ont suivi, sinon je vous invite à aller voir la dernière vidéo. On repart, on a comme promis 6 boosters, 2 tripacks, c'est le format habituel en ce moment. Voici le code pour vous du tripack. Et puis bah, on est go quoi, on veut avancer la série, on va aller chercher de l'alternative, on veut de la gold, on veut tout plein de choses. Il y a un classeur à compléter, on ne l'a pas encore complété. Donc, on veut du 8. Let's go, let's go. En espérant à tous que vous avez passé une bonne journée, que tout se passe bien de votre côté. On a mis la petite casquette pour avoir le Pikachu là. Du jaune pour du jaune, hein. Sinon aucun rapport sur ceux qui ont la référence sur la casquette. Je pense que vous savez de quoi ça parle. Salamèche, Deden, Menzi, Kirlia, Sac de Menzi, Farfaduvet, Élève de Paldea en reverse, Kourou Singe en reverse et Roue de Fer. Super, on est content, on a Roue de Fer. Ouais! Inutile, inutile comme carte. Ah là là. Ces séries sont tellement dures qu'à la fin on se retrouve avec masse de doubles de cartes qui sont au tout début sympas d'avoir et à la fin on peut plus les voir en peinture. Allez, on veut de la petite shiny s'il vous plaît et on veut de l'alternative. Spectrum, Mime Junior, Sonistrel, Echo, Camerupt, Générateur électrique, Reptincel, yes. Ou une petite quelque chose, c'est sympathique. Et un super dauphin. Ah, je suis pas sûr de l'avoir, super dauphin. Dauphin tout court, j'ai. Super dauphin, c'est pas sûr. Et derrière, Axolotl et Dogrino. Bon. Au moins, la petite shiny vient de tomber sur le tripack. C'est déjà cool. Maintenant, hop, on va lui demander un massive hit, un big hit. Ça, c'est le petit code pour vous. Je veux mon petit Pikachu maintenant, en fait. C'est une des cartes que je veux. Ferro-singe, flottillon, Pikachu, tout tombe, machine, Fulgulero, Kirlia, Sonistrel en reverse, chauve-souris en reverse. Oh, une petite élève de Paldea. Dites-moi, ça faisait longtemps celle-là, hein? Ça faisait longtemps. C'est une carte que j'ai l'habitude de drop. Je vais pouvoir me faire une collection complète de élèves de Paldea. Ça va être magnifique. Ça va rendre super bien, je pense, dans un classeur. On continue sur cette deuxième ouverture, enfin, ce deuxième tri-back. Et voici les codes. Ouais, les codes, je les donne. J'en ai tellement à la maison maintenant, c'est abusé. Je préfère m'en débarrasser, comme ça, juste après que j'ai tourné la vidéo, je peux tout mettre à la poubelle. Compagnol, Ferro-singe, Flottillon, Pikachu, Machine, Fulgulero, Clove, Mordudor en reverse, un Fampi en reverse. Et un Tapatoès X. Ouais, c'est pas la carte que je tombe le plus souvent. Ouais, on en a déjà hein, en double, hein, ça c'est pas le souci. Mais ouais, c'est pas Roue de Fer ou autre où j'ai l'impression qu'il tombe terrestre, par exemple. Ça tombe beaucoup, beaucoup, je trouve. Tapatoès, elle tombe moins souvent. Let's go, les amis! Ouh! Du feu. Let's go. Un petit drac au feu. Menzi, Salamèche, Super Bonbon, Compagnol, Brioche. Ah, Briochien
Ectoplasma, générateur électrique, machine en reverse, on s'est bien fait spoil direct. Mais est-ce que derrière, on peut aller chercher une petite quelque chose? Eh ben non, ce sera un Spectrum. Et un Fort Ivoire. Bon, bah on n'est pas sur l'ouverture la plus fofolle que j'ai faite dernièrement. Hein. Bon, je savais que ça allait être difficile de battre la dernière ouverture, techniquement. D'un point de vue de la valeur du hit, plutôt. Sur la quantité de hit, j'aurais espéré faire mieux. Parce que là, je vous avouerai que je rentre éventuellement super dauphin. Et sinon, je vais peut-être me faire une ouverture, ce que j'appelle un hit, c'est-à-dire rentrer aucune carte dans le classeur à la fin de l'ouverture. Et ça, je vous avouerai que c'est rageant, surtout quand il me reste autant de cartes, mine de rien, en petite shiny à rentrer. Faire une ouverture sans rien dedans, c'est un peu... c'est blasant, quoi. C'est triste. Pikachu, Toutombe, Fampi, Lupio, Sac de Menzi, Colossinge, Quencia, Vrombi. Ah, Trio Pico, tu m'avais manqué aussi, Trio Pico. Bon, c'est une fausse alternative, mais une petite alternative quand même. Bon, que j'ai déjà, hein, donc pour le coup, elle ira juste en échange, ça c'est sûr. Ça va être la question, c'est vais-je avoir ou pas déjà rentré Super Dauphin. Donc j'ai peut-être une carte à rentrer, ou peut-être zéro, ça fait un peu mal. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc encore un grand merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à très bientôt pour des prochaines ouvertures destinées de Paldea ou autres séries. Ciao l'équipe, à la prochaine !